C'est du jamais vu dans tout l'espace africain. La Côte d'Ivoire abrite le tout premier spectacle de fontaine musicale en marge de l'organisation de la Coupe d'Afrique à travers la création de pôles stratégiques de développement en Côte d'Ivoire. Dénommé Abidjan Laguna Show, cet événement vise à créer une expérience mémorable et captivante pour les participants et les visiteurs. Il fallait trouver un prétexte. Comme je l'ai dit, le prétexte était compétition donc de Formule 1. Mais à Abidjan, on n'avait pas encore de prétexte. Et la Coupe d'Afrique a été organisée après, donc, je pense, au Gabon et après au Cameroun. Et c'est après ce qui s'est passé au Cameroun, je me suis rendu compte que après chaque match, les visiteurs ou tous ceux qui étaient venus pour la compétition, la Coupe d'Afrique, n'avaient plus d'adresse où aller. Ils vont dans une, deux boîtes et puis bon, ça s'arrête là, c'était les mêmes choses. Donc, alors, je me suis dit, en Côte d'Ivoire, il fallait faire autre chose. Et le président a voulu cette canne-là, une canne hospitalière. Tout le long de la canne 2023, une majestueuse fontaine sera logée sur la lagune Ébrier qui dansera au rythme des activités festives qui feront vibrer la capitale économique ivoirienne. Il s'agit de la première fontaine musicale d'Afrique, on va dire ça comme ça, couplée à un écran géant d'eau et une série de concerts, une série de spectacles où on veut faire la promotion de toute la culture, toute la richesse de la culture ivoirienne. Donc avec une centaine d'artistes de Côte d'Ivoire d'actualité et ceux aussi qui ont fait les beaux jours de la culture, de la musique ivoirienne qu'on associe à cet event-là. C'est ici, sur ce site de 4 hectares situé à la montée du pont HKB, que se tiendra Abidjan Laguna Show. La structure de la fontaine offre un écran d'eau avec une dimension entre 180 et 264 mètres carrés. L'écran d'eau monte jusqu'à 12 mètres de hauteur. Plus de 20 000 spectateurs sont attendus du 13 janvier au 11 février 2024 à Abidjan Laguna Show.